Allez, re. On est reparti. Hop. Deuxième partie de Inside. Normalement, on devrait le terminer dans cette section, je pense. Et puis on fera la petite pause miam miam après. Il est de retour. Donc ouais, j'ai eu les infos officielles. Donc l'event sur... sur Monster Hunter, ce sera du 6 novembre. Non, du 8 novembre, pardon, donc demain au 6 décembre. J'ai mis à jour la commande liste normalement. Depuis que j'ai pris une espèce de prise de courant dans le bide, visiblement, j'ai plus de limite de respiration sous l'eau. Uber Eats, non, on va éviter quand même. J'hésite, j'hésite. Est-ce que je m'autorise un petit gratin de tortellini sauce tomate basilic? Est-ce que l'Event RE2 est sur PC, je crois? Pas, parce qu'il est lié à Iceborne. Non, il est lié à Iceborne. Donc il doit pas être sur PC. Est-ce qu'un des monstres à tuer, c'est un monstre d'Iceborne? Je peux pas grimper là. Pas grimper, pas pousser. Là, le big brain, il marche pas trop. Il n'y avait pas une corde ou quoi que ce soit, non? C'est dommage, les chaînes, là, parce que la plateforme, elle nous aiderait bien. Ça c'est un bonus, je crois. C'est pas ça se trouve, je suis pas au bon endroit. Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire, Nelson. Ouais. Tellement pas tilté sur la lumière.
Trompe-toi de sens, c'était pas mal. Me gratter le nez, putain. Allez, c'est bientôt fini, c'est bientôt fini. Bon, du coup, avec le remaster de Mass Effect qui se prononce, enfin qui s'annonce, un petit marathon Mass Effect? Encore, fait longtemps. Bon, il y a des rumeurs de Mass Effect Remaster. Mais bon. C'est de l'eau en haut. Je sais pas où on a atterri là, mais... Fiasco en thème. Oh. Coffret les 3 Mass Effect, ça existe déjà. Après une compile des 3 sur PS4, on n'est pas à l'abri. Il y a un bouton là. Bon, le premier pour moi c'est un, c'est pas un simple remaster qu'il faut. On avait déjà parlé mais. C'est un peu plus un remake, hein.
T'as jamais fait les premiers remasters, ça veut dire que t'as joué que à Andromeda? Ouais, le pack trilogie, ouais, y a pas tous les DLC, ouais. Putain, les bonbons, ils m'ont laissé un goût dégueulasse dans la bouche. C'est une horreur. J'ai pas le concept de la. Elle est à l'envers, c'est ça? Faut changer l'eau, la mettre en bas. Ah, quand même, Richard. C'est une faute qu'on voit souvent. Ouais, et je crois que aujourd'hui, c'est faut toujours acheter les points BioWare pour acheter les DLC du 2. Je crois que c'est toujours. C'est toujours le bordel. Ça que je voulais faire. Tu as passé par la site internet de BioWare? Malinx! Mais oui!
Ah, c'est le jeu où il faut réfléchir la journée. Quoique ce soir aussi. Normalement, Jericho, c'est un peu plus bourrin. Un peu plus d'action à l'écran, vous allez voir aussi. Y a pas de débat. Jericho, c'est un FPS, ouais. Bordel, mais j'ai fait tout ça pour un bonus? C'est un jeu de l'âge de Quake 2? Non, un peu plus récent. Ça date PS3 360. Hey! Ouais, elle est spéciale, hein, la pièce, par contre, hein. Non, il sera là demain, Odelson. Il sera là demain. Des gens, des légumes en cage. À mon avis, il y a ça.
Mais ouais, je pense que Clive Barker, Jericho, je pense qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas joué. Oh, ça transpalettise les gens, hein. Clive Barker, ça veut pareil, ça va être 6-8 heures. C'est Sinking City, par contre, qui est très long, qui fait une vingtaine d'heures. Crois-moi, Radin, parce que là, on va jouer la version PC en français. J'ai tellement galéré à la trouver. Dans l'eau ou pas là? Non, l'eau elle est en haut. Oui, d'accord. Ah non, je sais, je sais, je sais. Voilà. C'est la cocaïne. Le son, c'est normal, ouais. C'est que Clive Barker-Jerigo, c'était du Mercury Steam, les devs de Castlevania Lord of Shadow. Ouais. Et de... Qu'est-ce qu'ils ont fait récemment là, leur jeu multi, d'ailleurs, où il y a Quiet dedans. Enfin, Quiet, l'actrice qui fait Quiet. Tous ces studios qui avaient du potentiel et qui se retrouvent à faire des héros shooters. Zut. Mais merde. Mais non, mais Raiders of the Forbidden Planet. Non, c'est bizarre, ça, il me semble pas que ce soit ça. Alors je confonds avec un autre jeu. C'est anciennement Space Lord. Ah oui, c'est ça. Ah, ils ont renommé le jeu?
Space Lord, c'était court. Mais c'est vrai que le titre faisait un peu débile, quoi. Space Lord, c'est le nouveau nom. Ah, je me disais bien. Bon, bah merde. C'est plus court. Après, Space Lords. Vous pouvez aller admirer le style de Stéphanie Justen dedans, qui fait qui a un perso un peu étrange. Les designs des persos sont un peu étranges dans le jeu. Ils sont partis là. J'ai pas de casque et ils me suivent. Bon là ça va, ça fait 2 jours avec le Kane, donc ça va. Ça va mieux, ça va mieux là. Ils ont l'air de faire des expériences un peu chelou, hein. Je suis pas encore assez haut. Ah, ok. Attendez. Ici, c'est ça, c'est là. Il est Peggy 18, Jericho. Ouais, ouais, non, mais il est pas gentil, gentil, hein, Jericho. Il a sa place, il a sa place dans le marathon. Hein. Puis bah, il y a Clive Barker, quoi. Donc. Celui que je fais après inside. Ouais. Oh là là. Moi et mes followers Twitch. C'était bien la fin d'Absolve. C'était intéressant. Hélas, la fin, elle est un peu... J'aurais aimé un peu plus de... D'épilogue. Oh. Oups. Mais malgré le fait que je vous ai abandonné. Là ils sont au-dessus. C'est marrant parce que il me fait un peu penser à Abe, le jeu. Ouais, je viens quand même vous récupérer. Et c'est ça qu'il faut retenir. Oh ça va cette année, les gens sont venus me dire bonjour. J'ai même signé une casquette.
Non, ça se fait plus, Alex. Ça se fait plus. On a fait des choses avec Sora aussi. Des choses terribles. Indescriptibles. J'ai fait quelques selfies aussi. Hormis les gens qui nous connaissaient très bien, c'était totalement c'était totalement invisible ce qu'on a fait. Tiens, pas le droit pour ce soir sur For Honor, vous êtes plein avec Jigme et Bob. De 20h à 21h, je serai seul. Me rejoignent à 21h15, je crois. Où est-ce qu'il court? Qu'il faut que je le ramène là pour que eux puissent monter. Peut-être, peut-être. Il y a un très joli travail d'éclairage dans le jeu, mais d'atmosphère aussi. Ah, si tu veux te le faire sur iOS, Cal, je te conseille de partir vite parce que tu vas te spoiler grave le jeu.
servent à rien. Oui, oh, ça va. Calmez-vous, je commande un Big Mac à midi, ok? LCBO, j'ai pas trop la sauce avec. Oh. Je crois que j'ai raté l'atterrissage. Ah. Ah mais j'ai cru que c'était une plateforme derrière, genre un espèce de camion. Mais non. Cette chute à chaque fois. Ouais, il y a une cabine, mais faut pas sauter, ouais. Mais je l'ai vu là, mais ça fait deux fois que je fais de la merde. Je crois que je peux pas. Je crois que je peux pas. Peut-être que maintenant je peux.
Ah, j'ai perdu mes fringues. Bonjour. Oh. Ah, j'étais absorbé par la boule. Oh merde, je dirige la boule. Ça a l'air beaucoup trop organique. Me suivre. Eh ben venez les copains. Merde, j'ai tué quelqu'un. Que le jeu d'un coup il part en vrille. Hein. Je croyais que j'allais absorber les gens. Hein. Ah.
marcher ça? Non. Bah en fait l'enfant est dans la boule de chair visiblement et depuis je la contrôle en fait. Yeah! Non, pas les chiens! Cette masse, elle est dégueulasse. Il va ouvrir la porte. Merci. C'est gentil. Mais je perds des morceaux à chaque fois. Toi, merci pour tes 2 ans de sub. J'avais fait le resub plus tôt. C'est pour qui compte pour la cagnotte? Fournaise quand même. Ça va bien, ça va bien. Ouais, je joue un blob, c'est...
Ah non, il y a le crochet là. C'est arrivé comme ça d'un coup, hein, ouais, il y avait une espèce d'expérience et j'ai sauvé la bouboule et elle m'a absorbé. Tout. On peut tout. Oh, c'est beau! Oh, ce travail d'équipe! Oh, ce travail d'équipe, c'est beau! Oula! Je vais enlever tous les murs là. Pas me contenir. Un vagin. Ça fait longtemps que t'en as pas vu, non?
confondu au loin au ralenti. Ok. Bon, et ben... Non, je peux pas bouger, hein. Est-ce que j'ai compris la fin du jeu? Pourquoi tu deviens une pustule géante? Bah, en fait, c'est une espèce de corporation qui visiblement... on dirait expérience, fait des expériences sur les humains et trucs comme ça. Toi, t'arrives à t'échapper, à t'infiltrer en fait en t'échappant. Et t'arrives à prendre le contrôle d'une de leurs expériences un peu chelou. Et t'arrives à libérer. Voilà. T'arrives à te libérer. Faut être honnête, c'est un peu chelou hein, quand même. Voilà, c'est un phoque? Non, non, c'est une espèce d'amas de chair et de membres qu'on contrôlait. Là, je peux plus bouger. Ok, il y a vraiment rien. Ok. Après, si vous avez, pour être très honnête, si vous avez du mal à comprendre, il y a un inside sur JVC, sur Inside, une game sur JVC avec sur Inside, c'était. J'ai toujours du mal avec son prénom. Je suis désolé. Le nouveau monteur. Aubin, voilà, c'est Aubin qui a fait cet épisode dessus et qui vous permettra de comprendre un peu plus en détail le jeu. La chronique était vachement bien faite, on l'avait regardé et commenté en live. Mais voilà, c'était Inside. Je vous avais dit, hein, c'était un peu dérangeant, malaisant, c'était le but du jeu. Voilà. C'était Inside. C'est bizarre, hein, comme jeu. Hein. Toujours ce goût affreux. Genre ta cour. Là, tu vois la VOD, ouais, ou hésite pas à faire le jeu, il est pas très très long, tu vois, moi il m'a fallu 3h30, 2h30. Ouais, 3h. Je crois qu'il y a un rip-off de Gris. Putain, les mecs ont aucune race. Hein. Les mecs ont aucune race. J'y arrive pas trop, mais j'essaye. Bah, accroche-toi. Ok, et eh bien du coup, vous savez ce qu'on va faire. Oui, non, Mind Mimic. Oui, non, bah là, c'est. Fallait y attendre, j'ai envie de dire. Fallait y attendre. Voilà, c'était Inside. C'était chelou, c'était génial. Alors, hop. On va mettre un peu de musique. Le temps de préparer.
C'était chelou, hein. Ouais. Alors oui, c'est l'autre clavier que je me plante pas. Je vous préviens aussi que je vais prendre un peu de temps pour me faire à manger. Qu'est-ce que je me fais à manger? Est-ce que je me fais à manger? Est-ce que je commande un truc crade? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et après Clive Barker's Jericho, ce sera The Sinking City. Gros morceau, The Sinking City. Bientôt le marathon Persona, bien sûr. À la sortie de Star Citizen. Bucket ou Becca Bacon Lover? Ah, alors omelette, non. Bah, le truc, c'est que tu vois, hier j'ai fait steak haché. Hier j'ai fait steak haché haricots verts. Hier soir après live, j'ai fait salade. Un peu la dalle là. Man of Medan, c'était nul comme ça, dit de partout. Non, c'était pas un jeu incroyable, si tu veux, mais. Ça s'est laissé suivre. Voilà. Aucun souci avec Man of Medan. Je pense pas que tout le monde ait dit que c'était naze. Tartiflette. Dur en live, hein, la tartiflette. Hein. Ouais, c'est un bon jeu à live en fait, tu vois. Non, je suis pas fan des omelettes. Je suis pas fan des œufs en général. Attendez, je vais juste vérifier que le jeu tourne bien. Parce que celui-là, c'était un peu balèze. C'est cool. Oh là là, alors là, préparez-vous au jeu, hein. Parce que celui-là. Voilà, ça vous. Voilà, ça vous place. Concrètement, Mercury Steam. Voilà. Concrètement, pour vous placer très très vite. Pour vous placer très très vite, Clive Barker, Jericho. Si je dis pas de bêtises, parce que ça fait très très longtemps. A émergé des sables des temps. Ça fait très très longtemps que je l'ai pas fait. Mais c'est une espèce de comment dire, de commando avec un peu des pouvoirs psychiques comme ça, qui sont envoyés quand il y a des choses un peu cheloues qui se présentent. Ah, les campagnes. Ah oui, non, c'est le début, ça. Voilà. Ah oui, c'est vrai que c'est super sensible et on peut pas changer. Donc voilà un peu l'équipe, hein, qu'on va avoir. Non, mais j'ai pas encore lancé. Là. On est même d'ailleurs toujours sur la VOD assister, non. Rapport d'image, ouais. 16/9, ouais. Effet de rémanence. Vous savez ce que c'est, les effets de rémanence? On va mettre lui, hein. Voilà, de mémoire, niveau de capacité, affichage des sous-titres, chargement, visée assistée, rester accroupi. Parce que de mémoire, en fait, c'est à. C'est la souris, c'est juste genre faible, moyen, élevé. T'as pas de curseur, donc je vais voir jouer avec la souris. Enfin bref, des codes bonus.
débloquer des codes bonus. Regardez, regardez. Pour débloquer les codes bonus, composez le numéro de téléphone de, pour votre pays de résidence et saisissez votre code d'accès. Et vous recevrez ensuite les codes bonus à entrer via l'option saisie. C'est beau ça. Ah ça, ça se fait plus hein. Bon là, il y a plusieurs musiques qui se mélangent. Attendez, attendez. Voilà. J'en suis toujours à me demander ce que je fais à manger. Dans tous les cas, je vais couper la VOD. Bougez pas. Donc voilà, on a fini Inside. On va attaquer Clive Barker's Jericho. Bougez pas, vraiment deux secondes. Je coupe la VOD, je reviens.